Salut à toutes et à tous, c'est Timoth, on se retrouve pour le 48ème épisode du Let's Play sur Pokémon Soleil et Lune. Non, Sword and Shield. Sword and Shield. Soleil et Lune, on avait déjà fini l'aventure. Bon. On a fait Faizou, 1, 2, 3, bah ouais, bah il reste lui en fait. Ludester, bon. J'imagine qu'il va y avoir des mondanités. On va aller. Comment il s'appelle? Chaz. Avec sa maman la waifu. Un bouclier t'affronte sa maman. Chaz, voilà. Restez pas dans mes jambes du balai, je veux dire, filez vite, vous mettre à l'abri. Du câble, on est là pour t'aider. Ah, je ne vous avais pas reconnu. C'est l'imbu. Le maître est là, tout va s'arranger. Je demandais justement comment j'allais me dépêtrer de tous ces Pokémon Dynamaxés, blablabla. Alors vite du terrain et au combat. La bagarre. Avec Gary Bigard. Ah hein. Gigalite. Ouais mais moi j'ai Bilalassani qui va Dynamaxer et qui va faire Hydromax. Est-ce que je le one shot? Là tout de suite dans les commentaires, est-ce que je one shot? Oui ou non? C'est maintenant. Qui va avoir raison dans les coms? N'hésitez pas à vous manifester. Okay. Johnny English. Fire! Book! Après la fermeté, je crois, donc il y avait un piège. Vous saviez qu'il y avait un piège, non? Mais là, visiblement, c'est le 7 sans fermeté, donc il doit avoir force sable ou voile sable, je sais plus. Un truc nul, de toute façon, il n'est pas intéressant comme Pokémon, à mes yeux. Merci pour le coup de main, c'est bon, tous les Pokémon, tout le monde est en un seul morceau. On a eu chaud quand même. Bah non, enfin... En vrai, il n'y a pas eu de menace, quoi. Ça va pas facile de s'occuper d'un Pokémon Dynamaxé tout seul. Bah si. Bah si, en fait. Enfin, je vois pas le problème. Bah oui, hein. Mais Nabil, t'es pas habitué aux compliments? T'es rouge comme un squeu de cendre. Lol. Énorme blague. Je vais prendre soin du Pokémon qui s'était Dynamaxé. Vous pouvez y aller. En attendant, prends ma carte au cas où. Mais on dirait, il a pris un coup de soleil sur le torse. Il est trop gênant de Chaz en fait. On dirait il a un coup de soleil sur le torse. On dirait ça, c'est le genre de daron que tu vois sur les routes l'été en claquette chaussette à conduire la caravane au camping-car. Là, il va aux dunes du Pila et là, lui c'est le mec qui va en vacances dans le bassin d'Arcachon, tu vois. Il faut retrouver un vitesse. Oui, il faut retrouver Jean Fleuret et Jean Targette. Ah, c'est Sonia. Décroche vite. Mais sans si c'est vrai, les deux clowns sont bel et bien au stade de Kickenheim. Ils sont partis vers la salle du réacteur. Je devrais bientôt arriver à ouvrir la porte de l'ascenseur pour y accéder. Ça sera sans doute bon ici, si vous y arriviez, c'est compris. Allez, vite. Incroyable. Alors, Kickenheim... Un peu la plaque tournante du Pokégame. C'est un petit peu... Ah, j'ai failli rentrer dans la Pokémon Center. C'est là, hein. Sonia. Je suis là, à cousine. Mais parle-lui. Oui. Bah, grâce au taxi aérien. C'est un truc qui coince. Allez, vole toutou. Ding dong. Voilà, c'était évident. Voltoutou qui avait la clé magnétique en lui hein, depuis le début. Bah oui, merci Voltoutou, t'es trop mignon. Dommage que ton évolution est un peu bizarre. C'est un peu le chien de Squeezie. Les deux nains sont en bas, restons sur nos gardes. Allez, on y va. De toute façon, là, il n'y a pas... Salle du Reactor. Tout doudou.
Jean Target. Tiens, tiens, tiens. Qui voilà, Armand. Vous avez raison de la serrure, vous avez même réussi à ramener le calme dans les stades, bah bravo. Je vous tirais bien mon chapeau si je pouvais en porter un. Lui-même il se clash, Marc Simpson là. Enfin c'est bien la moindre des choses venant du maître des Pokémon de Galar. Des bras, mes braves, acclamés. Ah bon? Ouais, ouais, on est pour le retour de la monarchie, ça tue, ouais. La foule est en délire. Ah, la gênance, hein, c'est clair. Déjà, dire le mot gênant, c'est gênant. Arrête de te moquer de nous et dis-nous plus pourquoi t'as forcé les Pokémon à se dynamaxer. C'est à cause de cette fausse légende que vous avez tous la scandeur de croire. Je vais vous déciler les yeux et vous révéler la véritable nature de Zacian et de Zamazenta. Arrête de nous baratiner avec Zacian et Zamazenta, nous sauver Galar. Silence, manin! Nous étions révérés comme les dignes descendants du véritable héros de Galar. Nous étions célèbres, mais vous êtes arrivés et vous avez mis votre nez crasseux dans l'affaire des Ternatus. Et voilà que l'on vous porte au nu en tant que sauveur de Galar. La peste en soi de vous et de cette fiefie scribouillarde. Oh, les mots, ils sont chiants, les mots qu'ils emploient. Hein. Son torchon, parce qu'en fait une scribe c'est ceux qui écrivent, mais scribouillard, tu vois, c'est un abus de langage, je pense, hein, tu vois, c'est voilà. N'est que il est où son frère d'ailleurs? Bien dit, enfin vous êtes quatre, hein. Arriviste. qui a déjà insulté quelqu'un d'arriviste dans la vraie vie? Vous avez régressé un soir, et nous, si ce sont les Pokémon qui ont tout fait, nos ancêtres seront-ils des menteurs? Donc ton frère et toi, vous êtes vraiment les descendants des rois, bien évidemment, nous l'avons toujours été. Et l'histoire telle que nous la connaissons est la seule version valable et acceptable. Qu'est-ce que donc cette panique de se mettre à inventer de nouveaux héros comme ça? Vous commencez à vraiment m'énerver. Tout ce que j'ai écrit est vrai. Je suis persuadé que Zacian et Zamazenta ont protégé Galar de tout temps. Ah oui? Eh bien, nous allons voir tout cela. Si ce sont de véritables héros, ils devraient rester maîtres d'eux-mêmes, quand bien même on les exposerait aux Galarions. Quand ton frère et toi, vous vous amusiez à tout dynamaxer, ce n'était qu'un premier essai. Quoi? Exposer Zacian et Zamazenta aux Galarions? Non, faites pas ça. C'est seulement maintenant que vous réalisez mon punier est en train de finaliser toutes les préparations là-haut. On vous laissera pas faire. Trêve d'insolence, jeune fat. Jamais je ne vous laisserai gagner l'ascenseur. Il faudra d'abord me passer sur le corps. Je te marre, frère. Armand, viens. Allez, Jean Floret, avec ta coupe. Avec ta coupe crème fouettée, là. Il envoie... Palarticho. J'ai l'âme d'air, je crois, avec lui. Voilà. Tchou. Hop là, allez. Ça, c'est fait. Ça donne pas beaucoup d'XP, hein. Ah, j'avoue, pour Scalproie. Ah, j'ai envie de tester le bon Chicroc. Bon Chicroc sur Scalproie. Dracovish. Dracovish. Incroyable, Dracovish. Allez, le petit Banshee-croc. Fra. Dracovish. Samurai. Le samurai de l'éternel. Ah ouais, j'ai mon Eternatus. Tostestas. Jean Fleureux, on sort, on va. Samurai de l'éternel. Eternatus, hein. Oh. Non, mais canon, parce que l'autre, après, il y a un tour de repos. Kuba. Eternatus qui pour moi est une ultra chimère. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
Enfin, une ultra chimère qui, en restant sur la Terre, est devenue un Pokémon. Comme Necrozma, qui n'est pas une ultra chimère, du coup. Pour ça qu'il a pas boost chimère. Enfin, vous m'avez compris. Enfin, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez, mais il ressemble quand même vachement dans le design à une ultra chimère. Qui aurait fait comme Necrozma. Ah ballon brûlant hein. Après il y a plein de théories hein, sur ces versions là. Boop. Alors on en est où? Ah bah on l'a battu, c'était anecdotique. Oh non t'as perdu. Bah ouais parce que t'es nul, va te couper les cheveux. J'espère qu'à la fin de l'aventure on leur rase le crâne. Tu sais avec les Joy-Con en mini-jeu. Comme dans One to Switch, tu leur rases le crâne. Comment oses-tu, Marode? C'est bon, on les a tous expédiés vite fait. C'était quoi ce cri? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Faut qu'on monte, vite! Oh, au secours. Au secours. Oh là là. Oh vite, faut qu'on aille voir ce qui se passe. Mais ça sera dans le prochain épisode. Eh oui, hein? Ça sera dans le combien? 49? 49e. Est-ce qu'on va arriver à 50 épisodes sur le Let's Play? Je doute. Je doute. Je pense que le prochain épisode, ça sera peut-être le dernier. Je ne sais pas. Je sais pas. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. On essaye d'arriver aux 13 000 abonnés. Alors, si on y arrive avant 2020, ce serait un miracle. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à me soutenir. Vous voulez, vous pouvez me rejoindre sur twitch.tv/timote. Le lien est dans la description. On fait des live Pokémon. On fait des combats, des échanges, des raids Dynamax, Gigamax. Donc, bah, vous êtes le bienvenu. Donc, n'hésitez pas. C'est gratuit. Vous pouvez venir. J'essaye de live quasiment tous les jours quand je peux. Et entre 3 et 4 heures par jour. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous là-bas. Merci d'avoir regardé. Je vous fais des bisous et on se dit à bientôt. Ciao tout le monde. Bye bye.